وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous nous sommes arrêtés au 39e verset de sourate al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الله تعالى commence à parler de Bani Israël. Il dit: Ô Bani Israël. Bani, c'est les enfants de Israël. Rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez votre engagement vis-à-vis de moi, je tiendrai le mien et ne redoutez que moi. Israël, c'est le prophète Yaqub, alayhi salat wa salam. Parmi les enfants du prophète Yaqub, il y a le prophète Yusuf, alayhi salat wa salam, dont ses frères ont été jaloux et qu'ils ont jeté dans le puits. Et qu'ils ont fait croire à sa mort. La sourate Yusuf raconte cela en détail. Donc les Bani Israël, c'est les descendants des enfants de Yaqub, alayhi salatu wassalam, Israël, qui étaient 12 en tout avec Yusuf. Donc Yusuf, son frère, Benyamin, puis les 10 autres frères. Et alhamdoulilah, ils se sont repentis de ce qu'ils avaient fait, et ils ont reconnu leur erreur, et ils ont reconnu qu'Allah a préféré Yusuf par rapport à eux, car il lui a donné la prophétie. Et il lui a donné la piété. Et c'est pour cela que Yaqub, même s'il ne faisait pas de différence entre ses enfants, eux, ils étaient jaloux de la piété qu'ils voyaient en lui et du fait qu'ils savaient que le cœur du père, il penche vers l'enfant pieux. Il est permis d'ailleurs à un père d'aimer plus un enfant par rapport à un autre, par rapport à sa piété. Mais il ne doit pas faire paraître cela dans le sens où il ne doit pas faire de différence dans la donation. Dans la dépense pour ses enfants. Il doit être juste dans la manière dont il se comporte de manière apparente. Mais dans son cœur, il lui est permis d'aimer plus un enfant par rapport à un autre, du fait qu'il est plus pieux, il a un meilleur comportement. Il est clair qu'entre deux enfants, un qui a un mauvais comportement et qui n'est pas pieux, et un autre qui est pieux et qui a un bon comportement, il est normal qu'on préfère et qu'on aime celui qui a un bon comportement et qui est plus pieux par rapport à l'autre.
bien qu'on aimera les deux, car ce sont nos enfants. Non. Donc, Allah Ta'ala rappelle aux enfants d'Israël les bienfaits avec lesquels il les a comblés. Et le meilleur bienfait, c'est les messagers qu'il leur a envoyés, l'un après l'autre. Il les a choisis pour leur envoyer des prophètes et des messagers, comme personne n'a eu de prophètes et de messagers. Et il leur a donné le bienfait de la révélation, car il leur a descendu la Torah à Moussa alayhi salatu wassalam, puis l'Injil à Isa alayhi salatu wassalam. Tout cela, c'était pour Bani Israël. Donc Allah leur rappelle ce bienfait. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez à votre engagement, quel est cet engagement qu'ils ont avec Allah? C'est de l'adorer, de ne rien lui associer, et de croire dans les prophètes et messagers qu'Allah va envoyer et de les respecter, défendre, et non pas comme ils ont fait, de les démentir et les combattre. Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé cela dans un autre verset, quand il a dit « Walaqad, nous avons pris un pacte avec les enfants d'Israël, quand nous leur avons suscité ou envoyé 12 chefs. Et Allah a dit, je suis avec vous tant que vous accomplissez la salat, vous donnez la zakat et vous croyez en mes messagers. » Donc voilà le pacte que Bani Israël, ils avaient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah leur a rappelé, si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai le mien. Quel est l'engagement qu'Allah leur a donné? Je serai avec vous. C'est-à-dire Allah va les protéger et Allah subhanahu wa ta'ala va les récompenser dans l'au-delà, car ils auront tenu leur engagement avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ne redoutez que moi, c'est-à-dire pas les gens. Pourquoi Allah ta'ala ici, il leur rappelle de redouter Allah et de craindre Allah? Car celui qui craint Allah, est-ce qu'il va faire ses interdits? Non. Va-t-il délaisser ses obligations? Non. Car la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, cela engage et cela implique de pratiquer ses ordres et de délaisser ses interdits et de tenir ses engagements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens des versets: et croyez à ce que j'ai fait descendre, le Coran, en confirmation de ce qui était déjà avec vous, la Torah et l'Injil, et ne soyez pas les premiers à le renier. Et ne vendez pas, c'est-à-dire n'échangez pas mes révélations, c'est-à-dire la Torah et l'Injil, contre un vil prix pour obtenir un vil gain et un profit de ce bas monde. En vendant mes versets, et craignez-moi et moi seul. Ici, c'était spécifiquement pour les Juifs qui étaient à Médine. Mais ce n'est pas spécifique à eux. C'est à eux et tous ceux qui viennent après eux, des Bani Israël. Donc Allah Ta'ala leur ordonne. Et croyez en ce que j'ai fait descendre, qui est le Coran, en confirmation de ce qui était déjà avec vous, qui était la Torah et l'Injil. C'est-à-dire, vous voyez très bien que ce Coran, il n'est pas venu avec des fondements différents de ce qu'il y avait dans la Torah et l'Injil. Il est venu avec les mêmes ordres, dans les fondements, c'est-à-dire adorer Allah unique, sans lui donner d'associé, lui obéir, l'adorer, lier les liens de parenté, accomplir la salat, donner la zakat, être bon, ne pas faire d'injustice, c'est-à-dire les fondements et les règles de base qu'il y avait déjà dans la Torah et qu'il y avait déjà dans l'Injil, bien sûr qui n'étaient pas falsifiés, la Torah et l'Injil révélés par Allah. On parle pas celles qui sont aujourd'hui. Donc vous retrouvez dans ce Coran cette révélation, ce qu'il y a déjà chez vous, ce qui prouve que cela vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas venu appeler à quelque chose de différent des livres révélés auparavant. Il n'est pas venu en contradiction avec ce qui a été révélé auparavant. Ce qui prouve que et la Torah, et l'Injil, et le Coran sont une révélation de la part d'Allah. Car il n'y a pas de contradiction entre eux dans les fondements et dans les choses auxquelles ils appellent, comme l'unicité, vouer un culte exclusif à Allah, ne pas lui donner d'associés, accomplir la salat, donner la zakat, respecter ses parents, lier les liens de parenté, aider le pauvre, etc. Ne pas être injuste, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tricher. Toutes ces règles-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélées dans ses livres.
Il y a aussi dans le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala dise à Bani Israël et croyez en ceux qui étaient descendus. Le Coran, une preuve que s'il renie le Coran, quand il dit croyez en ceux qui a été descendu en confirmation de ceux qui étaient déjà avec vous. C'est-à-dire que s'il lit, il renie le Coran, il renie en réalité ceux qui étaient déjà avec eux. Car dans la Torah et l'Injil, il est annoncé qu'Allah ta'ala va envoyer un messager. En reniant le Coran, ils ont en réalité renié la Torah et l'Injil. Comme celui qui renie un prophète seulement parmi les prophètes, c'est comme s'il a mécru en tous les prophètes. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant du peuple de Nuh, que le peuple de Nuh, ils ont traité de mensonges tous les prophètes. Comment ça? Est-ce qu'ils ont vu tous les autres prophètes à part Nuh? Comment Allah ta'ala dans le Coran dit que le peuple de Nuh a traité de menteurs tous les prophètes? Car en traitant de menteurs Nuh, c'est comme s'ils avaient traité de menteurs tous les prophètes et messagers, car ils sont tous envoyés de la part d'Allah et ils viennent tous avec un même message. Donc dans le fait qu'Allah leur rappelle que le Coran il est venu en confirmation de ce qu'il y avait dans Torah et l'Injil, il y a en cela, premièrement, une confirmation, leur montrer que le Coran n'est pas venu avec des fondements différents. Et deuxièmement, un rappel pour eux que s'ils démentent le Coran, en réalité, ils ont démenti la Torah et l'Injil. Et Allah Ta'ala leur dit, et ne soyez pas les premiers à le renier, ce qui est le contraire de l'ordre. Normalement, ils doivent être les premiers à y croire. Une personne qui a en sa possession un livre révélé de la part d'Allah, est-ce que c'est comme quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du message ? Normalement, il doit être le premier à croire au Coran, n'est-ce pas? Car il a déjà eu ce rappel, il a déjà entendu parler de cela. Il sait que des révélations sont déjà venues. C'est pas comme quelqu'un qui n'a jamais eu de livre. C'est pour ça qu'ils sont appelés Ahl al-Kitab, les gens du livre. Ils doivent être normalement les premiers à croire au Coran. Et au contraire, comme Allah tabarak wa ta'ala dit, et ne soyez pas à l'opposé, les premiers à le renier. Qui est pire encore que si Allah avait dit, et ne soyez pas parmi ceux qui le renient. Car le premier qui le renie, c'est-à-dire que c'est le pire, c'est le premier dans le mal. Et c'est une exagération dans le fait de renier et de démentir. Ça, c'est un. Deuxième chose, le premier qui instaure une mauvaise tradition aura le péché de tous ceux qui le suivent après cela. Donc, si ce sont les premiers qui le renient, ils porteront leur fardeau et le fardeau de tous ceux qui les ont suivis dans le fait de renier le Coran. Et ne vendez pas mes révélations. Ayat, c'est le pluriel de ayah. Et ayah, on l'a déjà expliqué, ça veut dire un signe. Donc les versets du Coran, ce sont des signes. Ce sont des miracles. Et Allah tabarak wa ta'ala a des signes qui sont dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, et des signes dans sa création aussi. Donc, il les a mis en garde de vendre sa révélation et ses révélations contre un vil prix. Quel est ce vil prix? Ce bas monde qui n'a pas la valeur auprès d'Allah d'une aile de moustique. Car il croyait qu'en acceptant le Coran, il perdrait certains privilèges qu'ils avaient. Car les Juifs à Médine avaient des privilèges. Ils avaient des pactes avec les tribus, même les autres tribus arabes en dehors de Médine. Et ils avaient une certaine place. Et ils avaient peur, en acceptant cette foi et en acceptant le Coran, de perdre ses privilèges. Donc Allah Ta'ala les a rappelés que quelqu'un d'intelligent, doué de raison, qui suit la vérité, il n'échange pas l'au-delà éternel, les signes d'Allah, la révélation, contre un vil prix, contre une place dans ce monde, ou contre certains privilèges qu'ils auraient peur de perdre. Et en vérité, ce verset a été révélé pour Bani Israël et il est général pour tout le monde. Toute personne qui est prête à vendre sa religion pour un privilège de ce bas monde. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dépêchez-vous de faire les bonnes actions. Car il va venir des tentations, des périodes de troubles, comme la nuit noire, tellement ils sont troubles. La personne se réveille le matin croyant, elle se couche le soir mécréant. Ou il se couche le soir croyant, elle se réveille le matin mécréant. Il vend sa religion contre un bien éphémère de ce bas monde.
Combien aujourd'hui, pour plaire à certains, sont prêts à transgresser et à mentir sur Allah ? À dire non, dans le Coran, il n'existe pas telle chose. Ou dans le Coran, c'est telle ou telle chose. Alors que, en réalité, il sait très bien que le Coran et la Sunna n'appellent pas à cette chose-là. Mais il est prêt, quoi, à vendre sa religion, à vendre les versets d'Allah, à vendre l'au-delà éternel contre des biens éphémères, un vil prix qui n'a aucune valeur de ce bas monde. Sallallahu alayhi wa sallam wa al-afiyah. Surtout dans les périodes de troubles. Donc il leur a rappelé de craindre seulement Allah, de ne pas craindre ces gens-là, de ne pas craindre de perdre leur place, de ne pas craindre de perdre ses privilèges, mais de craindre plutôt le châtiment d'Allah et de se prémunir contre le châtiment d'Allah. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ التَّقْوَى التَّقْوَى, c'est se prémunir contre Allah. Se prémunir. Comment on se prémunit contre Allah ? Par Allah. On se prémunit du châtiment d'Allah par l'obéissance d'Allah. Sur une lumière d'Allah, en espérant la récompense d'Allah. Et en délaissant les interdictions d'Allah, en craignant le châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça, at-taqwa. Donc Allah leur rappelle qu'au lieu d'essayer de préserver leurs privilèges, qu'ils craignent plutôt et qu'ils se prémunissent plutôt contre le châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par la foi et les bonnes actions, par le fait de croire dans ce Coran qui a été révélé. Puis Allah, tabaraka wa ta'ala, dit dans le sens des versets, « Et ne mêlez pas le faux à la vérité, ne cachez pas sciemment la vérité, alors que vous le savez. » Donc, Allah, tabaraka wa ta'ala, leur a interdit de tromper les gens et de cacher la vérité. Quelle est cette vérité qu'ils connaissaient très bien ? C'est qu'ils connaissaient les qualités du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala a dit en parlant d'eux, ils connaissent le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme ils connaissent leurs propres enfants. C'est-à-dire, sans aucun doute, ils l'ont reconnu. Ils savent très bien que c'est lui le prophète envoyé pour l'humanité, en qui il faut croire. Donc Allah Ta'ala les a mis en garde de cacher cette vérité, de mêler le faux au vrai, pour tromper les gens. Et c'est ça, la manière des gens du faux, que ce soit des mécréants ou même les mubtadi'a dans l'islam. Jamais il va te présenter le faux sous sa vraie image. Jamais. S'il vient te présenter le faux exactement comme il est, personne ne va l'accepter. Personne. Si je viens, je te donne, j'ai écrit poison en grand sur le verre. Je te le donne, tu vas le boire, non? Mais la personne, elle va te mettre boisson sucrée. Et à l'intérieur, il y a un poison. Non. Et ça a toujours été comme cela. Ils mêlent le vrai au faux. Et parfois, ils utilisent même des paroles véridiques, mais utilisées dans un mauvais contexte. Ou d'une mauvaise utilisation, ou avec une mauvaise compréhension. On connaît cette méthode-là depuis très longtemps. Et Allah, il affirme qu'ils savent. Et c'est pour cela, dans la Fatiha, qu'est-ce qu'on dit ? اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. On demande qu'Allah nous épargne du chemin des maghdoub alayhim, de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, et qu'il nous épargne aussi des chemins des égarés. Qui sont ceux qui ont encouru la colère? Ceux qui savent et qui ne font pas. Voilà, Allah Ta'ala ici les définit. Et ce ne sont pas que les juifs qui savaient et qui ne pratiquent pas. Toute personne qui sait et qui rejette la vérité, il entre dans ce verset. Les égarés, ce sont ceux qui ne savent pas et qui ne veulent pas savoir. Il ne sait pas, mais il ne fait rien pour savoir. Il se complaît dans son égarement. Et ça, ce sont les chrétiens et ceux qui leur ressemblent. Il peut y avoir des gens qui s'affilient à l'islam ou qui sont musulmans, et qui ne savent pas beaucoup de choses de l'islam et qui ne cherchent pas à savoir. Et à cause de leur ignorance, ils tombent dans beaucoup de péchés et beaucoup d'interdictions. Non. Donc Allah affirme dans ce verset que Bani Israël, ils savaient, mais ils cachaient et ils mélangeaient le faux avec le vrai. Et il y a plusieurs versets qui affirment cela. Cela ne veut pas dire que tous les Bani Israël, c'est-à-dire tous les juifs, savent. Là, il parle de ceux qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui connaissaient les textes, qui étaient à Médine. D'ailleurs, pourquoi ils sont venus à Médine? Ils sont venus à Médine car ils savaient qu'il y avait un prophète qui allait venir là-bas.
Sinon, à la base, ils ne sont pas de là-bas. Qu'est-ce qu'ils faisaient en Arabie, les Juifs? Ils sont venus exprès pour attendre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois qu'ils avaient des guerres avec les Arabes, ils disaient, attendez, vous allez voir, notre prophète, il va venir, on va vous battre. Mais quand il est venu, ils l'ont renié. Parce qu'il n'est pas venu confirmer les égarements dans lesquels ils étaient. Leur donner des privilèges qu'ils se sont donnés. Les mensonges qu'ils ont inventés sur Allah. Quand c'est venu en contradiction avec leur passion et avec ces privilèges qu'ils avaient, ils ont renié. Ils ont rejeté. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala leur a rappelé « Wa aqimu salata » وَآتُوا الزَّكَاتَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Et accomplissez la salat. Et donnez la zakat. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. On voit dans les versets que nous avons lus tout à l'heure, le pacte qu'Allah Ta'ala a pris avec les Bani Israël. On voit que l'accomplissement de la salat, c'était déjà présent. Car c'est un pacte qu'Allah avait pris déjà avec Bani Israël. Dans l'histoire aussi d'Ibrahim alayhi salam avec Sarah, avec sa femme, quand le tyran a voulu la prendre, qu'est-ce qu'il a fait dans le hadith? Il a fait la salat. Et dans certaines versions, il s'est purifié avec de l'eau et il a fait la salat. Donc on voit que le wudu et la salat, ça existait déjà avant. Sauf qu'il n'était pas, peut-être pas tout à fait comme le wudu et la salat que nous on fait. Allah Ta'ala leur a ordonné le fait de croire dans ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Coran. Et le fait de croire en ce qui a été révélé, cela implique de croire en celui à qui cela a été révélé aussi. Car tu ne peux pas croire au Coran sans croire en celui qui a reçu la révélation du Coran. Celui qui renie et qui mécroit en celui qui a reçu la révélation du Coran, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a renié le Coran. Comme c'est le cas d'une secte qui vient d'Inde, il s'appelle le Coraniyoun. Ils prétendent suivre le Coran. Oui, ils suivent le Coran de Shaytan. Ils ne suivent pas le Coran de Rahman. Ils disent, on suit le Coran, on ne suit pas les hadiths. Alors que le Coran, du début à la fin, est-ce qu'il ne dit pas d'obéir au messager? Est-ce qu'il ne dit pas ce que le messager vous le donne, prenez-le? Est-ce qu'il n'a pas dit dans le Coran qu'il y a une révélation? Allah a révélé sur toi le livre et la sagesse, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Donc en réalité, s'ils obéissaient au Coran, ils auraient suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils auraient appris et pratiqué et compris les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Ta'ala ordonne et accomplissez la salat. Accomplir la salat, c'est différent du fait de dire faites la salat. Salli, prie. L'accomplissement, cela comprend le fait de la faire complète. C'est le fait de la ramener comme elle se doit, avec ses conditions, ses piliers, la concentration. C'est-à-dire à faire la salat et l'accomplir comme elle se doit, extérieurement et intérieurement. C'est ce qu'Allah Ta'ala a dit dans le Coran aussi, quand il a parlé à Moussa, alayhi salam, et accomplis la salat pour mon évocation, pour m'évoquer. Et donner la zakat, c'est une part d'argent dans les biens qu'Allah Ta'ala nous a donné. Une fois que cela atteint une certaine somme, ou un certain montant, une certaine limite, alors il y a une obligation de sortir une part de cet argent, chacun selon les biens qu'il possède. Ceux qui ont de l'or, ceux qui ont des troupeaux, ceux qui ont des terres, etc. Ceux qui sont agriculteurs. Tout ceci a été, alhamdoulilah, réglementé clairement par le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. C'est-à-dire, priez avec les croyants. Vous aussi, inclinez-vous avec les croyants et adorez Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, il y a aussi une preuve pour ceux qui disent que la prière en jama'a est obligatoire pour les hommes. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. C'est-à-dire, inclinez-vous en groupe, avec les croyants, et non pas seul, chacun dans son coin. Il y a une preuve aussi que l'inclinaison, un recours, est une obligation et un pilier de la salat. Car Allah Ta'ala, ici en parlant de la salat, l'a nommée par une partie d'entre elles, qui est un de ses piliers, qui est un recours. Puis, Allah Ta'ala leur rappelle. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Recommanderez-vous aux gens la piété, la droiture, et vous vous oubliez vous-même alors que vous récitez le livre? N'êtes-vous donc pas censé? Ici dans ce verset, Allah Ta'ala leur rappelle
comment vous, vous étiez en train d'appeler à la foi, au fait de croire dans les livres révélés, de croire en Allah, de croire en ses messagers, et vous êtes les premiers à ne pas le faire. Vous oubliez vous-même. Car quand notre révélation est venue, vous la rejetez. Donc comment vous appelez au bien ? Vous-même, vous vous oubliez vous-même. Alors que vous lisez le livre, et il voit très bien dans le livre, dans la Taurat, que Allah Ta'ala a ordonné de croire en ses messagers et de ne pas les rejeter, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était annoncé. Donc comment vous lisez le livre, et comment vous y appelez, et comment vous prétendiez jusqu'à maintenant vous attacher à ce livre, et aujourd'hui vous le reniez ? N'êtes-vous donc pas censé, l'aql, la raison comme on pourrait dire, en arabe, ça vient du fait d'attacher ou de retenir quelque chose. Pourquoi on l'a appelé l'aql, la raison ? Car ou bien elle te retient de faire du mal, ou bien elle t'attache au bien. Ça t'attache à faire le bien ou ça te retient de faire le mal, normalement. Donc quelqu'un de raisonné, c'est quelqu'un qui fait le bien et qui délaisse le mal. Si on voit qu'il fait le contraire, qu'il fait le mal et qu'il délaisse le bien, c'est qu'il n'est pas raisonné. Même si il a 15 doctorats. Car il aura une science qui ne lui aura pas été utile. Et peut-être cette science qu'il connaît aussi, elle lui est pas utile pour connaître son Seigneur ou adorer son Seigneur. Aussi, dans ce verset, on voit la gravité d'ordonner le bien et déconseiller le blâmable en s'oubliant soi-même. Car la personne qui ordonne aux autres de faire le bien et de déconseiller le blâmable, s'il s'oublie lui-même, il normalement il est ordonné aussi de se rappeler lui-même à faire le bien et de s'interdire lui-même aussi à faire le mal. Donc Allah Ta'ala les a blâmés en cela, mais en fait il les a blâmés doublement. Car ni même ils s'ordonnaient eux-mêmes de faire le bien et de délaisser le blâmable, ni même les autres. C'est-à-dire, ils n'ont même pas ordonné aux autres de croire dans le Coran et de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire. Donc l'imam al-Sa'di, rahimahullah, a dit, ici, Allah Ta'ala les blâme pour le délaissement de ces deux obligations. Mais il est clair que si quelqu'un a des manquements dans sa religion, cela ne va pas dire qu'il devra laisser un autre ordre, qui est le fait de conseiller le bien et de conseiller le blâmable. Car le fait de faire un péché ne te permet pas d'en rajouter un deuxième. Ou le fait de délaisser une obligation ne te donne pas la permission de délaisser une deuxième obligation. Si toi, tu as quelques manquements dans certaines obligations, cela ne doit pas t'empêcher d'appeler les gens à obéir à Allah. Et cela ne doit pas t'empêcher de décourager les gens et de mettre en garde les gens de désobéir à Allah. Tabarak wa ta'ala. Donc il ne faut pas comprendre ce verset de travers. Ce qui leur est reprocher ici, c'est de délaisser ces deux obligations. Et il est clair que même d'en délaisser une, c'est un péché. Mais c'est moins grave que de délaisser les deux. Les hadiths où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a blâmé et a dit qu'en enfer, il y a quelqu'un qui traînera ses entrailles. On va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce que tu ne nous conseillais pas le bien et tu ne nous déconseillais pas le blâmable ? Il dit, si, je conseillais le bien, mais je ne le faisais pas. Et je déconseillais le blâmable. Et je le faisais moi-même. Et Allah tabarak wa ta'ala aussi a dit dans le Coran al-Karim, « Oh vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que l'on ne fait pas. » Donc tous ces versets, on ne doit pas le comprendre dans les sens où on doit attendre d'être parfait pour conseiller le bien ou déconseiller le blâmable. Mais c'est pour rappeler que la première personne à qui on doit ordonner le bien et déconseiller le blâmable, c'est sa propre personne. Commence par toi-même, car c'est toi qui vas répondre de tes actes. Mais le fait de commencer par toi-même, cela ne veut pas dire de ne pas conseiller les autres et de ne pas déconseiller les autres. Car tu le fais aussi pour Allah. C'est une obligation. Celui d'entre vous qui voit un acte blâmable, qu'il le change de sa main, s'il ne peut pas de sa langue, s'il ne peut pas de son cœur. Et ceci est le minimum de la foi. Donc, délaisser l'obligation de se rappeler le bien à soi-même et de s'interdire le mal à soi-même, ne permet pas de délaisser l'obligation de rappeler le bien aux autres et d'interdire le mal aux autres. Par contre, Allah Ta'ala a fait que dans la nature humaine, la personne n'accepte pas la parole de quelqu'un qui ne pratique pas lui-même ce qu'il dit. Et il est clair que déjà c'est ce qui est demandé auprès d'Allah, et deuxièmement ça a beaucoup plus d'effet et d'impact
sur les gens quand la personne pratique elle-même ce à quoi elle appelle. Car la da'wah, l'appel, ça se fait par les actes et par les paroles, et pas seulement par les paroles. Et c'est ça qu'on trouve aujourd'hui, malheureusement. On va trouver beaucoup de jeunes fougueux qui viennent de rentrer dans la religion, qui ont encore beaucoup de choses à corriger, et il reprend tout le monde toutes les secondes. Il reprend ses parents tout le temps, il reprend ses voisins. C'est devenu la police. Quand les gens ils le voient, ils le fuient. Ils en ont assez de le voir. Il est devenu insupportable. En plus, il le voit, il reprend tout le monde, et derrière, il ne fait même pas 5% de tout ce qu'il dit. Celui-là, miskin, il est en train d'éloigner les gens plus que de les rapprocher. Premièrement, il y a une manière de parler aux gens. Deuxièmement, il y a un moment pour parler aux gens. Selon les personnes à qui tu parles, il y a des gens que tu rappelles plus souvent, il y a des gens que tu rappelles moins souvent. Troisièmement, ça, ton effort que tu fais pour rappeler le bien et déconseiller le blâmable, ton souci que tu as pour les autres, et une part de ce souci pour toi-même. Et malheureusement, el-ghurur, beaucoup de gens sont pris par les illusions, ils se forgent des illusions sur lui-même. Ah, moi je suis sauvé, moi je suis bien, mais les autres ils sont égarés, ils sont en enfer. Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala, que la personne ne s'oublie pas lui-même et qu'il conseille, on ne délaisse pas le conseil. Mais il faut le faire d'une manière sage, c'est-à-dire utiliser les bonnes paroles au bon moment avec les bonnes personnes. Ceci, c'est ce que nous a appris le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que nous avons appris avec nos savants. Ce n'est pas tout ce qui est su qui doit être dit. Et à chaque endroit, il y a une parole appropriée à dire. Et pour chaque science, il y a des hommes précis qui la maîtrisent. Ce n'est pas tout le monde qui parle de tout comme il veut, quand il veut, à qui il veut, n'importe comment. Une chose qui paraît peut-être basique pour certains. Rien que pour traduire un texte ou un livre de l'arabe au français. Vous croyez qu'il suffit juste de parler arabe et ça y est, on traduit? Les savants ont mis des conditions. Cheikh Hamad al-Ansari a cité déjà deux conditions, d'autres savants en ont cité d'autres. Il a dit la première condition, celui qui traduit, il doit être sur une bonne aqidah. Ça doit être quelqu'un qui est sur une bonne croyance. Donc on doit savoir la croyance de la personne qui traduit, qui il est. Comment est sa croyance? Deuxièmement, il doit maîtriser les deux langues. La langue d'origine et la langue dans laquelle il traduit. Troisièmement, il doit maîtriser le sujet qu'il traduit. Les différents sujets religieux ou les paroles qui sont traduites, les mots et les sujets qui sont expliqués ont un sens précis dans ce chapitre-là qui n'ont pas ce sens-là dans la langue arabe en général. Et je me souviens d'un discours auquel j'avais participé, j'étais de passage, et un frère était là, il traduisait. Il disait tout le contraire de ce que le cheikh il disait. Le cheikh il disait des paroles, lui il disait le contraire. Je dis mais subhanallah, même s'il n'a pas bien entendu les mots, s'il connaît le sujet normalement, il peut se rappeler de lui-même, il va sortir le sujet. En plus c'était sur le jeûne, c'est des choses connues. Il disait le contraire. Par exemple, s'il disait ça ne fait pas rompre le jeûne, lui dit ça fait rompre le jeûne. Hein? Je l'ai repris une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Après, je me suis levé, je suis parti parce que je ne pouvais pas rester et me taire. Et je ne pouvais pas non plus ne pas intervenir. Car ça donnait tout le sens contraire de ce qu'il disait. Donc, une chose aussi simple que la traduction. Regardez les conditions qui sont nécessaires. Aujourd'hui, tout le monde traduit comme il veut. J'ai trouvé des catastrophes dans les traductions. Le sens opposé, les termes ne sont même pas vérifiés, des parties sont complètement coupées. Parfois même le texte de base, il n'existe même pas. Ça n'a pas été vérifié. Ils ont trouvé un truc sur Internet, ils l'ont pris, ils l'ont traduit. Le musulman, il faut qu'il sache comment faire la da'wah. Chacun selon son niveau. Quelqu'un qui n'est pas un étudiant en sciences, quelqu'un qui peut voyager, enseigner aux gens ou expliquer des livres ou je ne sais quoi, il se contente de transmettre les paroles des gens de science ou des gens de confiance. S'ils ont pris d'un imam de confiance des paroles, ils transmettent à leurs proches, à leurs amis, aux gens qu'ils rencontrent, aux gens avec qui ils travaillent, ils transmettent. Ils ne commencent pas à faire des fatwas ou à donner leurs avis. Aujourd'hui, la plus grande moussiba, le plus grand malheur, c'est les moyens de communication. Twitter, Facebook, les sites internet, les blogs, YouTube. Toute personne qui s'est tapée sur un clavier, il ouvre un site. Toute personne qui a envie de dire des choses, il ouvre un compte Twitter,
la sunna, les salafs, les hadiths, les rappels, ou je ne sais pas comment il l'appelle. Et il raconte sa vie. Allez, il ramène des choses et il dit tout ce qu'il a à dire. Après, il est content parce qu'il a, je ne sais pas, 5 000 suiveurs, 10 000 suiveurs, 20 000 suiveurs. Ça lui donne une notoriété. Ya miskin, yom al-qiyama, tu vas répondre de ce que tu transmets. Est-ce que tu es apte? Qui t'a donné cette permission? Qui t'a dit de faire ce que tu fais? Contente-toi d'écouter ce que les savants ils disent. Si tu n'es pas arabophone, écoute ce que les étudiants francophones de confiance transmettent des savants. Et alhamdulillah, transmets-le. Transmets ce qui est sûr à d'autres. Et ça te suffit. Tu n'es pas obligé de donner ton avis, de faire une remarque, un commentaire, hein, ou ouvrir un site. Vous imaginez, c'est quoi gérer un site? Il faut savoir qu'est-ce qu'on met dedans. Il faut savoir est-ce que tel ou tel sujet il est approprié. Il faut savoir est-ce que effectivement tel cheikh il l'a dit de telle manière. Il faut savoir est-ce que ce cheikh il n'est pas revenu sur son avis. Il faut savoir aussi, même si c'est un savant parmi les savants de la sunna, même les savants peuvent se tromper et les autres savants de la sunna le reprennent. Peut-être que cet avis qu'il a dit il est faux et d'autres savants l'ont repris. Il faut savoir si la traduction a été faite correctement. Il faut savoir est-ce que c'est approprié de transmettre cela à des francophones. Il faut savoir beaucoup de choses. Il ne faut pas juste savoir taper sur un clavier. Ceux qui tapent sur un clavier, il faut qu'ils se mettent au service des gens qui sont capables de savoir ces choses. Ce n'est pas obligé qu'on voit ton nom partout. Travailler dans l'ombre pour Allah, c'est ça la sincérité aussi. Tu travailles pour Allah, tu n'es pas obligé d'être connu. L'important, c'est que le bien soit transmis, tu aies une part de hasanat dedans. Alhamdulillah. Tu n'as pas gagné, tu as gagné. Celui qui est le plus en danger, c'est celui qui est exposé. C'est lui qui va rendre plus de comptes. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, disait, aimer se faire voir, ça brise le dos. Nasallahu salama wa ta'ala afiya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Na'am, jazakumullahu khair. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا